Nous allons palper les cartilages des côtes qui s'articulent avec le sternum à différents endroits. Alors d'abord, nous allons identifier l'angle sternal et le cartilage de la deuxième côte. Donc doucement, nous allons glisser notre doigt pour sentir la ligne articulaire entre le sternum et le cartilage de la côte qu'on appelle l'articulation sternochondrale. Ensuite, nous allons glisser doucement le doigt vers l'extérieur pour palper l'articulation entre le cartilage et la côte, donc l'articulation chondrocostale. Habituellement, ça peut être un léger enflement ou comme une marche d'escalier qui nous permet d'identifier cette articulation. Alors d'abord, on va identifier l'angle sternal et le cartilage de la deuxième côte. Donc, je vais aller sur ma côte et je vais palper la ligne articulaire ici entre le sternum et le cartilage, donc l'articulation sternochondrale. Je vais garder un doigt à cet endroit et je vais palper doucement le long de la côte pour venir sortir une petite marche d'escalier qui est l'articulation chondrocostale.